Bonjour, bienvenue sur le stream des Orbital Colossus. Moi c'est Aldu et je vous retrouve aujourd'hui donc pour cette deuxième épisode de Modern Warfare, donc Modern Warfare 2. Après donc le premier épisode qui nous a rapporté, si je ne me trompe pas, 14 morts sur Modern Warfare 1. Aujourd'hui, nous attaquons Modern Warfare 2. Bonjour à toi, Razor, qui nous suit sur le stream. Alors, c'est parti! Alors, Clix, je suis sur ordinateur. C'est le bleu, chef. Soupe? C'est quoi ce nom à la con? Et voilà, donc pour ceux qui étaient là mardi, qui ont suivi le premier épisode, vous avez pu revoir donc un petit résumé sur tout ce qui s'est passé lors de ce premier épisode. Plus les choses À savoir changent, la bombe moins elles nucléaire, évoluent. la mort Les de frontières Al-Assad bougent, ainsi que de d'Imran nouveaux acteurs Zakaïev. apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. Alors, autant le premier Modern Warfare est vraiment celui que je préfère sur les trois, et même sur toute la série Call of Duty, je trouve que le Call of Duty 4 était, enfin, à mon goût, il était quand même le meilleur de toute la saga. Mais je dois bien avouer qu'au niveau bande son, c'est bien Modern Warfare 2 qui remporte le prix. Tout le champ de tir.
Pour être efficace, adoptez une position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. C'est la base, vraiment. Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Et si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Enfin, il est essentiel de savoir lancer une grenade. Lancez une grenade dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Les grenades roulent si le sol est en pente. Alors, réfléchissez à deux fois avant d'en lancer une si c'est le cas. Parfait. Merci pour votre aide, soldat Allen. Maintenant, rejoignez la fosse. Le général Shepard veut vous voir sur le parcours. Alors, qui veut passer le premier? Montrez-moi ce que vous avez appris. Petite visite du camp de base en même temps. Ah oui, c'est vrai. Je les ai déjà tous. Bonjour soldat, bienvenue dans la fosse. Il paraît que le général Shepard veut confier une mission spéciale à notre unité. Il est venu en observation. Bon, maintenant prenez votre fusil. Bon, maintenant reprenez votre fusil. Bien, reprenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein? Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Soyez pour les caméras et visez juste. J'ai peur de vous observer. Le meilleur tireur rejoindra l'escadron d'élite. Si ça vous intéresse. Bon, allez-y. Le chrono démarre dès que la première cible apparaît. Déployez le premier secteur. Allez, allez! Et voilà, petit didacticien terminé comme il faut. Et on est parti pour l'histoire et la suite de Modern Warfare 1. Des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous ne pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Combien de fois, je peux pas te la dire. Je sais que je l'ai fait au moins une fois en vétéran, histoire d'avoir le succès. Maintenant, au total, tout mode de difficulté confondu, je peux pas te dire plein de fois. C'est tout ce que je sais. C'est comme le premier Modern Warfare, je vais le faire au moins 20 fois la campagne, mais dans plusieurs modes de difficulté différents. Thank you.
Gidane ou deux armes, à vous. Envoie-leur quelques grenades sur notre rive. On reste en attente. Sur le pont à 10h, plusieurs cibles. Éliminez-les. Des villes à 1. La cible est un immeuble mort de 12 étages. Un coordonné. 2, 1, 7, 1. Vous devez partir, compris. Lâchez pas. Bien compris, Hunter 2-1. On arrive. Cible à cul. Eh bien, c'est dès le début où on te met dans la situation comme il faut. Tout de suite sur le minigun. Lui, ce qui est marrant, c'est que l'on peut soit les laisser, soit leur foutre la trouille. Négatif. Les oups, bon. Je parie qu'ils nous espionnent. Raté. Ici Hunter 2, je me détache. Bien reçu, Hunter 2. Accolé Hunter 2. Faites gaffe avec les civils. On attaque que s'ils nous tirent dessus. Cherchez l'ennemi sur les toits. Restez concentrés. Tu vois quelque chose? Rien du tout. C'est mort par ici. Wow. Overlord, ici Hunter 2-1. On passe le tunnel Harvey et la rue Elisabeth. Bien reçu, Hunter 2-1. Soyez prudents. Gaffe à vous, les gars. C'est le Far West ici. Compris. Surveillez les ruelles. On les couvre. Trois ennemis sur le balcon à 12h. Sûrement la milice. Ils sont armés? Négatif. Ils les observent. C'est tout. Pareil qu'ils nous espionnent. On ne veut pas dire qu'on ne peut pas les buter. Minigun c'est bien, mais c'est absolument pas précis. On touche tous les murs, mais on touche pas les ennemis.
Ah, faut rentrer, c'est vrai. Oh, c'est pas passé loin. Il en fallait peu sur cette mission. Allez, où la grenade ? On peut plus bouger. On essuie des tirs nourris depuis l'école. Vous pouvez nous aider, terminé. Hop, popo, ça... J'ai l'air de quoi ? De l'un de nos ennemis. Parfait pour votre mission d'infiltration. Alors c'est Makarov la récompense ? Makarov n'est pas la récompense. C'est une putain qui se vend au plus offrant. N'oubliez pas votre nouvelle identité. Ça peut vous sauver la vie. Bienvenue dans la 141e, le meilleur groupe de combattants de la planète. C'est un honneur, monsieur. Quand vais-je rencontrer le reste de l'équipe ? Ils sont en mission pour récupérer un ACS derrière les lignes ennemies. Ils ont dû se mouiller ? Ils sont sûrement en train de se les geler en ce moment. Et vous avez sûrement dû reconnaître le nom du capitaine Soap McTavish.
ceux qui ont suivi le premier épisode. La pause est finie, Roach. En route. Reste là et regarde-moi. Attends mon signal. La partie la plus intéressante. C'est bon, la glace tient. Suis-moi. Là, il faut absolument pas souffrir de désynchro des doigts. Sinon, tu la passes pas cette mission. C'est par en haut. Je vais te surveiller du haut de cette corniche avec la lunette thermique. Profite de la tempête pour rentrer dans la base. Bon, bizarre, tu seras un vrai fantôme. Les gardes te verront qu'au dernier moment. Surveille ton rythme cardiaque avec ton capteur. Bonne chance. Thank you.
l'est de la piste. Attends, il y a de l'activité sur la piste. L'ennemi vient vers toi. Ils sont une bonne vingtaine. C'est la station service. Qui est ? Je capte des messages radio concernant le satellite. Attends. Ok, le satellite est dans le hangar du fond. On fait la course ? J'y vais. Terminé. On va avoir un petit bonus avec hop les ingénieurs qui bossent. Youpi! Allez, on va encore continuer à s'amuser. Ça passe.
User joined your channel. Salut Alan. Là je suis en stream sur le l'histoire du premier par contre. L'histoire du premier, l'histoire du deuxième, Nanorfar, pardon. Ah tu fais le mode solo? Ouais. Complet. Ok. Oh putain. A plus tard. User left your channel. Le reste de la Task Force 141 a apporté la CS, Allen. Deux hommes ont éliminé toute une base. Je vais vous demander encore plus. Hier, vous étiez un soldat sur le front. Mais aujourd'hui, le front, c'est du passé. Les uniformes aussi. La guerre se joue partout. Et il y aura des victimes. Makarov combat pour lui-même et n'obéit à aucune loi. Il n'a pas de limite, ne recule devant rien, torture, trafic humain ou génocide. Il n'est guidé par aucun idéal et ne respecte aucun drapeau, aucun pays. Il échange le sang contre de l'argent. C'est votre nouvel ami. Je ne vous dirai pas ce que ça a coûté de vous faire venir près de lui. Ça vous coûtera une part de vous. Ce qui n'est rien en comparaison de tout ce que vous sauverez. Il attendait à cette mission Résor. J'adore le côté normal. Allez, vas-y, on se pointe, on canarde tout le monde. Lui s'est fait, il s'est fait plaisir. Hein. Il a gardé tout ceux d'en bas pour lui tout seul. Même pas il partage. Aïe aïe aïe. Mais pourquoi il me tire dessus? Ah, c'est pas moi qui vise. Et bien entendu, comme je suis un gros flemmard. Je vais laisser tous mes potes prendre l'escalier et moi je prends l'ascenseur.
Oh, je fais peur lui. Ouh. Aïe. Deux. Pour Zakaïev. Le FSB, descendez-les. Excusez-moi, je vous demande 30 secondes. Voilà. Un petit peu mieux pour vous, pour voir. Pas très visible le compteur de mort. Oh, merci les gars. Les Russes vont sûrement pas fermer les yeux sur ce massacre. Ça va pas être beau. C'est vrai. Mais aux yeux du monde, ce sont eux les victimes. Personne ne lèvera le petit doigt quand les Russes se mettront à abattre les Américains. Makarov avait un temps d'avance. Il a laissé des milliers de cadavres aux pieds des Américains. Nous seuls savons que c'était Makarov. Notre crédibilité s'est envolée avec Allen. Il nous faut des preuves. Suivez la douille. Alejandro Rojas. Jamais entendu parler. Vous le connaissez, c'est Alex le Rouge. Il a organisé l'assaut. Une balle pour déclencher la colère de toute une nation. Ce qui veut dire... qu'il nous mènera à Makarov. Ghost, les plaques correspondent. Bien sûr. Aucun signe du bras droit de Rojas. Négatif. Ils sont déjà arrêtés deux fois. Aucun signe de lui. Attends, il s'arrête encore. Quitte pas. Je les ai identifiés. Je sais pas qui sont ces types, mais ils sont pas contents de le voir. Oh, je crois qu'on a un problème. Baisse-toi, baisse-toi. Accélérale, approche, enfonce.
Le chauffeur est mort. On est à bord. Retrouve-nous à l'hôtel Rio. Essaye de lui couper la route. Compris, j'y vais. Ah, raté. Je vais partir. Mythe à morfler. Je répète, mythe à morfler. Oh, je suis touché. Mythe est mort. Ils sont partout. Ça, c'est le petit cadeau. Ah, sniper. Allez, toi t'as failli buter ton pote, t'es monté intelligent. On peut en finir. Négatif. C'est trop risqué. Pas d'engagement. Fais chier. Bien sûr.
Wow! Ah, oh, elle arrive à destination celle-là. Ah purée, j'arrive pas à l'avoir. Ça y est, je t'ai eu. Pas vu. Wow, elle est pas passée loin. Sand Bravo, on capte 70 échos dans votre secteur. Veuillez vérifier. Très drôle, station. C'est négatif. Terminé. C'est sûrement un module ACS qui déconne, chef. Sand Bravo, ouvrez l'œil. Je vais lancer un diagnostic du matériel. Le ciel est dégagé, station. Il doit s'agir d'échos fantômes. Terminé. Zulu X-Ray 6, on capte une centaine d'échos dans votre secteur. À vous. Négatif, station. Rien au radar. Je sais pas quoi vous dire. Les interférences solaires, ça tape dur aujourd'hui. Sierra Delta, c'est peut-être l'ACS qui débloque, mais vous avez quelque chose de votre côté? À vous. Sierra Delta, répétez. Il y a des chasseurs au-dessus de l'I-95. Comment ils ont fait pour passer? Attendez, je tente de contacter l'unité la plus proche dans le secteur. Je vous reçois. 1er bataillon du 75e régiment. Sergent Follet, unité Hunter 2-1. Est-ce que vous me recevez? À tout le personnel. La surveillance satellitaire est interrompue. Les systèmes SOSUS et Bravo sont actuellement. Début de l'invasion. Se dirige vers votre position, mais font face à une forte résistance. Terminé. Bien reçu, Overlord. Attention, on est tombé sur un blindé ennemi et on est à pied. Terminé. Ici Overlord, bien reçu. Bonne chance. Terminé. Sergent,
façon de résumer les choses. Oh. Hey, dans le parking de Burger Town. J'ai un visuel. Sont presque blindés. Comment va-t-il? Il est toujours inconscient. Vous avez un médecin? Brandon, allez voir. Quoi d'autre? Il y a du matériel sur le toit, avec une tourelle automatique M5. Ramirez, va jeter un coup d'œil à ce matériel sur le toit. McCloud, il y a un mec sur le toit du Burger Town. Cible en vue. Faites gaffe, les gars. Les camions arrivent au sud. Bien reçu.
Fast food à l'ouest, terminé. Amiral, vas-y et descends-moi cet enfoiré. Merde. Allez, où mon arme? Allez, pousse-toi. Ah, je peux passer au-dessus. On va passer par la cuisine. Ah, ou par là-dessus. Baissez-vous ! Un des PTR vous a vu ! Ouh, merci pour la grenade flash, mon pote. Un important groupe de renforts ennemis se trouve au nord de votre position. Allez, un missile pour toi tout seul.
Ouh là, oui, ça fait du monde. Et... il a raté, il revient, il a touché. Ça c'est fait. Grenade. On nous aura bien servi cette tourelle, donc. T'es gentil, c'est sur moi que tu tires. Copier le contenu de la CS. Ils ont la clé de tous les coffres en Amérique. Et ils abattent un millier d'Américains pour chaque civil tué à Moscou. Je crois bien qu'on n'a plus d'amis. Je connais quelqu'un. Trouvons une cabine téléphonique, si ça existe encore. Tout ce qu'on a pu tirer de Rojas, c'est que le seul type que Makarov ait plus que les Américains est bouclé dans un goulag. Mettons le paquet.
Si ce tolard est lapin pour attraper le psychopathe, pendons-le à un arbre. La milice s'approche. Ils doivent être 200, devant et derrière nous. On va devoir batailler pour arriver à la Zeda. En russe. Et Rojas, la Russe s'occupera de lui. Ça me va. Nikolai, on est en haut de la favela et cerné par la milice. Amène l'hélico au marché. Tu me reçois? Ok, mon ami. J'arrive. Tout le monde se tient prêt. Sur les toits, et ils arrivent très vite par la suite. Ok, on va vous montrer les tirs. Impossible de tirer, il est pas dans ma ligne de mire. Oh, ennemi sur le balcon de tir.
Est-ce que tu dois flipper dans cette situation quand tu vois toutes les balles qui t'arrivent dessus comme ça? Éteignez-moi cette télé de malheur. Ma force d'intervention est à l'étranger. Je commanderai votre unité, sergent Follet. Bien, monsieur. À vos ordres. J'ai réquisitionné un striker de la 8e blindée. Honey Badger est un coriace, général. Il vous ouvrira la route. Les Russes bousillent nos défenses et nos renseignements. Ils ne doivent pas prendre ce coin. Montrez-le-moi sur la carte, monsieur. Ils ne le prendront pas. Arcadia. Hunter 2-1, ici chef d'unité. Nos hélicos d'évacuation se font canarder depuis le sol. Dégagez de la rue! Allez! Ah. Restez pas dans les rues! Putain, Don, il aura pris les 4 roues sur la tronche. Ah, je me disais bien, il y en a un habituellement, il est pas là le type, mais si, il était là, il était planqué. D'où est-ce qu'il sort lui? On l'a fouillé toute la maison. Badger 1 à Hunter 2, secteur nettoyé. À toutes les unités au sol, dégagez de là. Badger 1 est en vue. Il y a des ennemis près des appartements. Arrêtez-les. Voiture qui fume.
l'hélicoptère. Ici Badger 1, je reste en position. Badger 1, Hunter 2, zone cible nettoyée. Allez! Alors, voilà. À tous les unités, ici Badger 1, marquez la cible, à vous. Bien reçu, j'attaque le véhicule. Quel massacre cette invasion. Voilà, ce sera mieux déjà. À toutes les unités Hunter, ici Badger 1, j'attends pour attaquer vos cibles, à vous. Je confirme, j'attaque l'infanterie au poste de contrôle. Où est-ce que ça tire? Ah, c'est toi, cochon, on va. Toi aussi? Allez. Ils respawnent ou quoi depuis tout à l'heure, les deux là que je les bute? Hein. Tiens, je suis là. Allez. Ah, il y a du monde là. Oh, je passe. Je suis arrivé à la fin de mes munitions. Badger 1, Hunter 2, cible détruite. Que j'ai. Bien reçu, verrouillage confirmé, j'attaque la maison. Cible détruite. Je confirme, suppression des cibles près de la voiture de police.
Ah purée. Pas réussi à me camper. Oh. On a dans la voiture qui crame. Mais ils sortent de partout les types. Elle est infestée cette maison. Ah, ils sont embêtés en bas. De 1 et de 2. Overlord, ici chef d'unité Hunter 2A. BCA neutralisé. On se dirige vers le 4677 Brookmer Road. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Sergent Follet, ici le général Shepard. Votre objectif est d'extraire une personne très importante d'une salle sécurisée au premier étage de cette maison. Bien, mon général. Elle vous attendra. Nom de code, Tika Glass. Mot de passe, Phoenix. Sortez-la de là et prévenez Overlord. Shepard terminé. Ok, vous avez entendu? 4677 Brookmer Road, en avant! Je crois qu'on va dans la mauvaise direction, Général. On ne devrait pas retourner vers les combats? Il y a des combats partout, MacTavish. Content que vous soyez revenu d'Amérique du Sud. Vous rejoignez la 6e flotte. Elle va mener la contre-attaque. Le prisonnier 627. Nous pensons que c'est lui que Makarov veut. Mais impossible de l'atteindre. Des plateformes pétrolières? Les Russes les utilisent comme site de missiles. Les ouvriers servent de boucliers humains, alors on ne peut pas simplement tout faire sauter. Et celle-ci est la moins bien défendue. Messieurs,
Je sais que je vous envoie à l'abattoir aujourd'hui. Ils la défendent, alors nous devons la prendre. Surtout si ça nous conduit aux prisonniers 627. USS Chicago à abri sous-marin, on peut y aller. Hangar de l'abri sous-marin inondé, pression maximum. Commencez le déploiement. Hop là, une petite aération pour la trachée. Sont en sécurité. La radio ennemie, je crois qu'on va avoir de la compagnie. Un bug là, les grenades elles dépassent un petit peu. Allez. Le C4 est en place. Trouvez une position élevée. On va les surprendre quand nous trouvons les corps. Attendez.
l'intérieur. Votre groupe doit sécuriser les lieux avant qu'on puisse envoyer du renfort pour s'occuper des sites de missiles. À vous. Parfait. Je demande une extraction sur la Zeta Bravo. On prenne le pont supérieur vite fait pour que le QG puisse envoyer les marines. Allez. Cible à tout près d'avant. Ah, purée. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi je suis le seul à tirer? Merde, je l'ai raté. Mais ils vont tirer un peu là. Je suis tout seul à me les faire, j'ai l'impression. Voilà. Ah, toi t'es pas passé au bon moment. Oh purée, y'a un truc qui m'a... Ouais. Y'a un truc qui a explosé. Tire, tire, tire. Oula, non. Ça c'est ami, c'est pas tiré. Thank you.
Bon, ça c'est fait. Dadal Rico, pas de pub s'il te plaît sur la chaîne. Je répète, otage en sécurité. On rejoint la Z à Bravo. À vous. Beau travail, Hôtel 6. Les marines arrivent pour démanteler les sites de missiles. Préparez votre groupe pour la phase 2 de l'opération. Terminé. Hunter 2-2, ici Punisher. Sécurisé. Les équipes de démantèlement peuvent se poser. Entendu, Punisher. Hunter 2-2, bien reçu. Je rappelle tous les vols proches des coordonnées 255202. L'espace aérien est sécurisé. Je répète, l'espace aérien sécurisé. Continuez vers la zone ciblée, plan de vol novembre 2. Finisher, ici Hunter. Hunter 22 va sécuriser le site de missile au sud-ouest du pont principal. Hunter 23 avance un bâtiment numérique pour désamorcer les explosifs. Finisher à tous les groupes d'assaut. Les sites de missiles sont neutralisés. Je répète, sites de missiles neutralisés. Ciel bleu partout. La sixième flotte fait le ménage. Il est temps d'y aller. Ce bâtiment a une longue histoire et elle est peu reluisante. C'était un château au départ, avec un vrai donjon, bâti pour résister au siège. Le bâtiment a résisté aux hivers rigoureux. Ses occupants ont eu moins de chance. Le monastère n'a pas résisté aux purges. Au siècle dernier, il a accueilli tous ceux que le gouvernement voulait écarter, mais ne pouvait pas tuer. Cet endroit est rempli de victimes vivantes de la dernière guerre. Une guerre que je pensais gagner. Mais il faut croire que c'est comme aux courses. On mise sur le mauvais cheval et on se retrouve ici. Le prisonnier 627 est la souris que chasse Makarov. Nous allons le libérer.
sort. Vérifiez tous les coins. Oh, ça c'est méchant par contre. Wow, merci pour la flash.
sur la gauche. Faites une brèche dans le mur pour entrer. On a la charge de rupture sur le mur. On va prendre un raccourci. Et boum! Ah, je suis pas passé. Ah, on reprend là. Bon, on va foncer cette fois. Système de tunnel, on va vers le sud-sud-ouest. Ok, continuez à progresser dans ce tunnel.